Un cordial saludo a todos. Nuna guía 6, guía 6, si ciencias naturales, o primer nivel. Pour nous capables de faire ça, c'est non, non, classe et puis date. Nous avons parlé de guía ça, mon qui présente, c'est professeur Cathy Diaz et puis Camila Olea. Si toutefois on a le numéro F avec le numéro G, eh bien, vous voyez qu'il y a Paola by Camila Olea. Objectif guía ça, c'est pour nous capables de reconnaître et analyser les mécanismes d'interchange de particules entre la cellule. Ça veut dire cellule animale et cellule végétale. Et son environnement par diffusion et osmose. Il est très important pour nous faire guérir ça, il faut que nous soyons capables de faire un peu de lecture. Il y a une phrase qui est très très importante. On va souligner pour nous là. Il dit que guia évaluation ça, il y a 18 questions. Que des derniers contenus nous ont étudié pendant développement premier trimestre année scolaire là. Que donc moi-même moi pas un rien m'a qu'à ajouter. Parce que nous déjà gagné un document, c'est ça que le professeur dit, c'est ça nous avons étudié. C'est pas ça nous allons chercher, par exemple, sur Internet et autres, mais c'est ça nous avons étudié. Je dis que contenu ça, il correspond avec objectif qui priorisé par bureau qui est responsable là. Qui donc est très, très important pour nous capables de rejoindre. Réétudier tout ça, noter, étudier, qui te parlait sous osmose, sous diffusion, sous mécanisme d'interchange, sous cellules animales, cellules végétales, c'est à travers eux-mêmes que nous allons arriver à résoudre ça. Je dis que pour nous capables de lire attentivement les énoncés suivants et puis nous mettre dans un sec alternatif qui est correct là. Je dis que selon ça, nous avons étudié qui est la bonne définition qui gagne pour osmose. Qui est la bonne définition qui gagne pour osmose? Selon ça, nous avons étudié. Ça veut dire, professeur, vous avez fait guia ça avec nous, vous avez parlé de osmose, vous avez parlé de diffusion. Eh bien, qui est la bonne définition qui gagne pour osmose? Eh bien, on va choisir qui définition qui est plus bon là. Selon ça, professeur lui-même, il travaille avec nous. Selon ça, il dit nous qui est plus bon définition. Ça arrive avec plusieurs définitions, mais selon lui-même, il y en a qui est plus bon. Deuxième question, il y a un texte qui parlait de osmose. Il y a un texte qui parlait de osmose. Et puis, à la fin, il y a posé une question. Que ces questions ça là, je dis que si on cellule animale les dans solution côté concentration et des substances là les dissoudre substance qui dissout là les plus haut que en dedans cellule là. Eh bien, on dit que cellule ça, c'est une cellule qui est inchallah. On dit cellule ça, c'est une cellule qui est encochela. C'est une cellule qui conservadora sous tamanio. C'est une cellule qui se prélève à impermeable. Selon ça, vous avez étudié, vous avez choisi qui ça, qui bon dans ça. Mais tout ça, on a fait aussi à base de ça, nous t'es étudié. Selon ça, professeur dit, nous allons continuer, ça veut dire, à démontrer qui ça, qui bon, qui ça, pour nous choisir, mais c'est seulement, bah, nous, une idée. Ça veut dire, guia ça, idée, nous porter pour vous,
si ou pa gen yon dokumen ki profeseur ou menm yo te travay avèk nou, ou pa ka fè gya sa. Paske rezultat yo, ni ou pa ka fè nou nan recherche, ou pa fè sou Google et autres, men se a parti de materyel ki an profeseur li menm yo te ba nou. Nan kesyon 3, yo di ke nan schéma suivant sa, nou gen yon numéro 1 de 3, qui est représenté respectivement. Et bien, qui ça va représenter? À des schémas 1, 2, 3. Qui ça va représenter? On va choisir qui ça va représenter là. Même j'ai toujours dit dans le schéma ça, eh bien, qui moyen les représenter? Est-ce que c'est un moyen hypotonique? Est-ce que c'est hypertonique? Est-ce que c'est isotonique? Ou bien est-ce que c'est osmotique? Selon ça, nous avons étudié. Eh bien, ça là, qui ça lié? Qui ça le représente? Et là, nous allons nous HDO. Lorsque nous avons HDO, nous connaissons de qui ça parle. Ni pour question 5, ni pour 6, tout reste qui a ce même bagaille, c'est question choix multiple. Et lire ou bien, chercher documents que nous gagnons. Et puis, à partir des documents, nous sommes capables. Rempli y a ça pour nous faire choix. Moi conseiller nous pas prendre réponse sur internet parce que nous pas prendre réponse qui exact là mais li bon pour nous capable faire yo avec document même professionnel lui-même qui travaille avec. Bon succès à vous tous.